Les amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur l'épisode final de ce tout premier Uncharted Drake's Fortune. C'est là que notre saga de l'été a commencé, la saga de l'été 2023. On va refaire tous les Uncharted du premier au dernier avec le standalone. Oui, parce que vous avez été nombreux à me demander, on va tous se les faire cet été entre le mois de juillet et d'août. Et aujourd'hui, maintenant, ici même, on termine le tout premier Uncharted. Alors à la fin de l'épisode précédent, on a échappé à une horde de monstres incroyables. Ça m'a tellement surpris de voir des monstres dans Uncharted. Je ne savais pas que c'était un petit peu paranormal par moment. Donc why not? Mais franchement, c'était très cool. Vous avez été beaucoup un petit peu à me prévenir, mais j'avoue, ça faisait flipper quand même. Hein. On était vraiment en mode horreur. Et on a atterri maintenant, tenez-vous bien, dans un bunker. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, les amis? Elena a décidé de rester là, et c'est plus prudent, je pense, pour elle également. L'objectif, ça va être de rallumer ce bunker, cette espèce de centrale, et de se barrer, tout simplement, parce que ça devient trop creepy. Allez, merci en tout cas d'être présent. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement suivi toute l'aventure. Eh bien, écoutez, voilà. Et oui, il fallait pas descendre, effectivement. Oui, donc merci d'avoir suivi hein, cette série qui était courte. Hein. Finalement, on l'a fait en quoi? 5 épisodes au final? Mais très très cool, vraiment. Alors profitons ensemble de ce dernier épisode, les amis. N'oubliez pas de poser votre petit like, de commenter, de vous abonner si c'est pas encore fait. Ce serait vraiment un scandale d'ailleurs. Allez. Hop les. Olé. Vous avez vu ça? Du premier coup. Si vous saviez comment j'avais hâte de. Olé. De faire la suite. Parce qu'en fait, c'est trop intéressant de voir comment les jeux ils ont évolué à chaque fois, tu vois. Comment je fais là? Je crois que je fais comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Ok, waouh. Ouais, donc alors en dessous, c'est bien sous-marin. Voilà. Un petit peu comme celui qu'on avait vu au début de l'aventure, là, qui était sur une cascade, le sous-marin, carrément. Donc, qu'est-ce qui se passait dans cet endroit, les amis? Pourquoi il y avait des monstres? Est-ce que c'était des expériences? Est-ce que c'était genre des monstres un peu inca? Tu vois? Plein de mystères, finalement. Hey, tu m'entends? Sullivan, réponds. Hey, là, on est... Ah, ça sert à rien, ça capte pas ici. Ça capte pas, frérot, je suis en edge. J'ai aucune barre. Oh, MP40! Est-ce que ce serait pas une nouvelle arme, ça? Mais oui! Jusqu'au bout, les amis, on découvre des nouvelles armes. MP40. Allez! Alors, l'un d'entre vous m'a dit que je pouvais tirer sans viser. Alors ça, franchement, c'est une découverte. Et pareil pour les grenades, je peux juste cliquer sur le bouton et il balance une grenade à l'aveugle. Voilà. Il fallait attendre la fin de l'aventure pour que je découvre des trucs. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce chelou là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh mon dieu. Ah mais c'est dégueulasse. Il y a des espèces de cuves. Il y a une caméra. What? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Munitions. Ouh. Ouais, il nous file beaucoup de munitions. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? J'ai peur. Oh merde. Hé. Attendez, vous m'avez pas dit que c'était un jeu d'horreur? Ok. Waouh.
Donc on n'a pas fini de voir ces monstres, c'est ça? Et on est dans un endroit où il y a des passages de partout, je ne sais pas d'où ils vont venir. Oh, oh, oh. Putain! Oh. Oh mon dieu, je vais où? Oh, oh. Arrêtez. Arrêtez tout là. Il y en a qui sont pas de la même couleur, vous avez vu, celui-là il est un petit peu plus foncé. Il avait l'air plus résistant. C'est un cul-de-sac. Un trésor. Figurine de singe en or. Ça se trouve c'est des singes. Waouh, monsieur. Eh, il est habillé comment lui? Est-ce que c'est pas un genre de médecin ou un truc comme ça? Qu'est-ce que vous faites dans cet endroit? Oh là là, vous avez vu lui? Waouh. Eh, je suis bien content d'avoir le MP40 avec moi là. En tout cas, tout le monde a été complètement tué. Oh! Tout le monde a été tué dans cet endroit, j'imagine par ces... Oh là là là, oh là, oh là. Oh mon dieu. Je suis choqué par la tournure des événements là. J'ai l'impression qu'ils vont arriver de partout. Ça me stresse de ouf. Ah. Cul de sac. C'est par là les gars. Quand vous m'aviez dit en commentaire que le jeu allait se transformer un peu en mode horreur, je pensais avoir déjà passé cette étape en fait. Mais là c'est carrément l'enfer. Ça doit être la salle des machines. Et Nathan, il a pas l'air plus surpris que ça, tu vois, de voir des espèces de monstres à quatre pattes qui lui sautent dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on va tourner le... C'est ici qu'on va rétablir le courant ou... Dieu soit loué. Yes. Ok. Oh oh. Chapitre 19 des invités gênants. Oh mon dieu. Oh. Waouh 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 waouh, il y en a partout. Ouh. Ah ouais, c'est vrai, je peux tirer sans regarder, effectivement. Oh my god, oh my god. Au secours. C'est vraiment trop bien de tirer sans regarder. Bon, précision moins 10, mais bon. C'est quand même pas mal quand t'as pas le temps. Mon dieu. Vas-y, dépêche-toi là. C'est censé s'ouvrir ça ou c'est quoi le c'est quoi les bails? Wow. Esquive. Oh, je récupère des munitions. Recharge, recharge. Et cette musique, on en parle? Tu t'ouvres ou c'est comment toi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire les amis? Je crois que je dois ressortir par la pièce. Hein. Reste dans ton trou toi. On t'a pas invité. Que c'était ça. Des munitions. Ah là je crache sur aucune mission parce que franchement. Ok, donc on a atteint le disjoncteur. Ok, on a ouvert une deuxième porte qui est blindée de monstres. Tout va bien Riker. Ouf. Oh. Laissez-moi sortir de là! Comme on est dans le Resident Evil ou quoi? Oh! Allez, allez! Come on! Oh mon dieu! Oh! Go, 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 go! Vite!
Ils sont derrière toi. Ah! Oh mon dieu! C'est le bordel. Vas-y, 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 un deuxième à activer là. Au secours! Non, y'a plus personne? Tout va bien. Quoi? Putain, je vous jure, j'ai cru qu'il était derrière la porte. Je suis en stress total. Oh là là. Recharge, recharge. Ok. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi? On a rallumé Ah oui, on a dû ouvrir. Ok. On a ouvert une autre porte au bout. Il va me manger. Je veux pas devenir comme vous. C'est mort. Ah là-bas, je suis juste venu chercher un trésor, moi. Déjà 30 victimes au MP40. En sachant qu'on vient juste de le trouver, ça veut dire qu'on a déjà fait 30 trucs. Ces choses qui sont mortes. Oh, c'est pas vrai. Ça commence à être chaud en termes de balles, là. Non, mais c'est pas possible. Ferme la porte. Ah, mon dieu. Ah, c'est pas possible. Quelle journée pourrie. Oh, ce stress, j'ai les mains toutes moites. J'étais bien, tu vois, en commençant l'épisode. J'étais serein. Je me suis dit, fin de l'aventure. On trouve Eldorado. On se casse. On est paisible. Mais non, pas du tout. C'était l'enfer. Ouh. Eh bah ça, je risque pas de l'oublier, les gars. Ah, ces trucs ont dû s'occuper de leur sort. Ouais, 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 ça c'est sûr. Il y a de l'électricité partout. Comment je vais sortir de là? Mais je sais pas, mais c'est un labyrinthe, mon petit Nate. Mais on va s'en sortir. On va trouver la sortie. On s'est toujours débrouillé jusqu'à présent. On va pas lâcher maintenant. Ok, cul-de-sac. Mon petit doigt me dit que c'est par là. Eldorado. Ma fin est proche. Les démons me traquent dans les ténèbres. L'or de l'Eldorado porte une terrible malédiction. Les Espagnols ont libéré les enfers et en deviennent les suppôts. Mes hommes ont tous été assassinés, me laissant seul avec notre quête. Aucun navire ne quittera cette île. Je les ai tous détruits et j'ai noyé la cité maudite. Un mal si terrible ne doit jamais quitter ses rivages. En cet instant ultime, je remets mon âme à Dieu. Qu'il pardonne en cet endroit maudit. Francis Drake. Mon Dieu. Waouh. Oh non, pas encore. Oh, c'est reparti. Alors ça... Wow. Alors ça, les gars... C'est de la révélation. L'or d'Eldorado est maudit. C'est pour ça que Francis Drake l'a pas pris. En fait, il l'a trouvé. Mais il a pas pu le prendre.
Et il a fait exprès d'enfermer tout le monde et de faire en sorte que plus personne ne quitte cette île avec une seule pièce d'or, puisque... Vous voyez ce que ça donne? Wow. Il est résistant, lui. Aïe, 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 aïe. Faut que je recharge, faut que je recharge. Munitions, s'il vous plaît. C'est bon. On les a eu. Incroyable. Mais heureusement que Nathan a trouvé ça avant de choper l'or et de se barrer avec. Faut absolument que personne reparte sur le continent avec une seule pièce d'or d'Eldorado. Ah mince, faut que je tourne le truc. On y va. Allons voir par là. Absolument rien. Déjà un petit peu plus jour, un petit peu plus rassurant. Après les monstres, les soldats de Roman, let's go! Il est là! Le voilà! Allez, la petite greu! Messieurs? Vous voulez pas venir avec moi? Bon, c'est embêtant, Elena s'est fait capturer! Encore! Waouh. Waouh, ils sont vénères là. Ok, j'ai l'impression qu'ils ont des pare-balles, ils sont au taquet les mecs. Oh waouh. Oh, y'a les monstres qui sont là aussi. T'es sérieux? Wow, wow, wow. C'est bien parce qu'ils se font... Ils se font bouffer aussi. Ah, il tombe. Il est où le gars avec son... Ah, son laser. Il est là-haut. C'est pour ça que je peux l'avoir avec ça. Wow, oui. Putain, j'entends des tirs vachement proches, je sais pas où ils sont. Oh là là, ça tire de partout, c'est le bordel. Oh mais meurs. Enfin. Je crois que lui il arrive. Oh. 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 Faut pas se battre contre eux. Oh pour tirer. Oh. Le laser. Le laser. Au secours.
grand. Ouf, c'est bon. Oh non. Bah attends, mais à quel moment? Mais comment ça? Bah je tombe dans l'eau, il y a un monstre qui sort des profondeurs et qui me tue quoi. C'est pas juste. Oh non. Allez, la grenade c'était bien chaud. En plus on en a d'autres ici. Allez go. Bim boum bam. Oh non. Tapez contre le. Tiens regarde lui, il est occupé à se battre contre le. Contre le monstre. Ah ouais, avec leur casque et tout, en fait ça leur fait des armures, faut que ça tombe pour ensuite les. Les tuer. Donc on se rappelle les amis, on ne tombe pas dans l'eau puisque en fait il y a des monstres marins. Oula, attends, j'étais concentré là, j'étais en train de voir un truc assez cool. Un des hommes de Ramen se faire déchiqueter, c'est sympa non? Alors, le gars là-bas. Ah, en fait il titube. Mais ouais, là je crois que ça y est. Je crois que là on l'a eu. Vas-y, on va avancer. Oula, M4. Oh là là, quelle horreur. Oh oh. Ah, c'est stylé, je peux tirer d'une main en plus quand je tire sans viser. Le tour est très classe, oula. En mode je tire en arrière, bram bram. Ouais, ça fait un peu le bordel quoi. Là, par contre, niveau précision, c'est vraiment chaud quand même. Mais bon. Tu sais, quand t'es en galère, tu fais comme tu peux quoi. Allez, on y va les amis. Si je te tire dans les jambes, t'as pas d'armure dans les jambes. Oula, y'a du monde. Ouh. Non mais sérieusement. C'est quoi tout ça? Waouh. Oh le monde. Oh le bordel. Oh my god. C'est bien, vous tuez les monstres, c'est super ça. Ah, petit sniper. Il y a un monstre juste à côté de moi ou quoi? J'entends des cris, ouais c'est ça. Attends, on va recharger. Oh, oh là. Ouais, je sentais que les caisses elles allaient pas tenir. Regarde lui. Il s'est allongé. Tu t'es pris pour qui frérot? Pourquoi tu t'allonges? T'es malade ou quoi? On avance, on avance. Oh là là, mais c'est trop. Laissez-moi le M4. Regardez tout ça. Ouais, je tire en continu parce que vraiment là, il y a que ça à faire. Là, franchement, les gars, c'est chaud. Waouh. Oh là là. Bam 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 bam. Mais ça n'en finit plus. Allez, je balance ça là-bas, on s'en fout, on balance tout les gars, on met la sauce. Mais Naughty Dog, ils aiment bien que dans leur chapitre final, ça parte en live en fait, et que, tu vois, ça me rappelle quoi? Vous savez, ça me rappelle quoi? The Last of Us 1, à la fin, vous savez quand Joel, il pète un boulard et qu'il prend des armes de ouf et qu'il bute tout le monde? Bah voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai là, tu vois. C'est un carnage. Ok. Ils sont forts Naughty Dog quand même, hein. Franchement ils sont forts. Ouais non mais le mec avec son laser il me fait stresser, hein. Faut le fumer. Voilà. Je sais pas ce que je préfère, les monstres ou les chips. Enfin je préfère encore les ennemis là. Waouh, oh mon dieu, je vais mourir. Oh non. Ok les gars, je n'ai plus aucune munition. Alors on va gentiment se calmer et essayer de trouver des armes. Voilà. Waouh. Ok. Bim, boum. Wouhou. Magnifique.
Allez, on s'en fout, on prend tout ce qui nous passe. Oh non, le petit M4. J'adore ça, moi. Let's go, le champ est libre. Oh, oh. J'ai rien dit. Ça fait du bien quand ça se calme. Hein. Ah, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime plutôt ça. Ok, on y va. La vache, c'était un truc de ouf. Hein. J'ai kiffé. Chapitre 20. La course au sauvetage d'Elena, bien sûr. Fais chier. Sully répond. Ah, oh, Dieu soit loué, Nate. T'es où? J'arrive. Ils retiennent Elena. Faut qu'on les arrête. Ouais, moi je suis dans la merde. Ces salopards m'empêchent d'entrer dans l'église. J'y suis presque. Tiens un bon, Sully. Il est temps de réunir l'équipe. Ouah, ça tire, ça tire. Salopards de mercenaires. Mort. Oh. Coincez-les. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Il est où, Sully? Oh, il est là. Il est dedans, loup. Ça me fait tellement plaisir de te voir, mon petit gars. Bravo, mais c'est pas fini. On a quand même des gardes bien entraînés en face de nous. Ah, El Dragon, attendez. Hop. Wow. Merde, 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 il est où, El Dragon? Il est où? Il y a un sniper à droite et un à gauche. Ah, il est là. Bim! Un de moins. Ouh! Vilain comme tout, toi. Viens, viens là, toi. Bam! Sully? Tu veux pas qu'on fasse un team-team? Un petit mate, là? Waouh! La musique est folle! Ouh, ça pique! Il savait que j'allais lancer la petite grue. Allez, je la lance quand même, c'est pas grave, des fois qu'il passe par là. Aïe, 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 aïe. Eh, vous allez vous calmer, vous. Descendez-le. Oh, il a un pompe, il a un pompe. Salut. Oh, il y en a un qui arrive là. Tac. Allez, t'es mort. Un sniper, ça? Non, c'est... Ah, ça me fait penser à Call of, quoi. Quand tu vois la petite lumière, là. Allez, viens. Boum. Le casque, il a... Le casque est resté sur place. On est comment, là? Ils sont où, les gens? Bon, de toute façon, j'ai plus de balles de snipe. J'ai quasiment plus de... Tiens, je récupère... Elle est où, la grenade? Elle est là. Ah. Ouh. Oh, il est tout là-haut. Ouh. Putain, il y en a... Oh. J'ai cru que j'étais mort. Lui, t'as couvert. Lui, là. Oh, ok. Lui, il avait un lance-grenade, il était très dangereux. Grenade. Saute. C'est lui qui a un pompe. Waouh, wow. C'est incroyable. Franchement, là, c'est la folie. C'est très stylé. Encore? Sans déconner, les gars. Eh, laisse mon pote, toi. Oh oh. Oh oh. Monsieur, portez votre cachette. Wouh. Faut qu'on les arrête, Sully, ils savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu... Je ne sais pas comment, mais cette statue a décimé cette colonie. Et elle a anéanti les Allemands. Oh, oh, pardon? Pas le temps, allons à l'église. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Il faut que tu me crois. Je sais que ça paraît dingue, mais... C'est la pure vérité. Attends, je me refais un peu là, parce que... On va pas assumer les prochains combats si on n'a pas de munitions. Ça, je peux vous le dire, les gars.
Il y en a pas tant que ça en fait. Hein. Tiens, qu'est-ce qu'on a au milieu? Un M4. Ok, bah l'église. Écoutez, elle est là, hein, l'église. Hein. C'est même une cathédrale, j'ai envie de dire. Hein. Elle est magnifique. Merde, y'en a partout. Wow. Recule, couvert. Ok, y'a des snipers. Bam. Mais moi aussi j'ai un sniper. Boum. Concentrons-nous d'abord sur les snipers. Waouh, à distance. C'est chaud. Ok. Allez, attention, baby. Hop les. Ah ouais, et lui il a quoi lui? Ouf, attends, y'en a un autre. Y'en a un tout là-bas. Waouh, c'est quoi lui? Oh non, j'ai plus de munitions. C'est vraiment la loose. C'est pas grave. Ah, regardez, il y en a là. Waouh, c'était chaud. Non, les types comme ça là, faut les se faire. Ah, purée. C'est lui là, il est fou. C'est un grand malade quoi. Couvert. J'ai plus de balles. Voilà. Non mais t'as passé ta... Oh ta tête. Faut faire vraiment attention au laser parce que là... A plus. Ça peut partir d'un coup et on est mort. On remonte doucement. Ah j'ai plus de balles de... J'essaie de l'avoir mais c'est difficile de là... d'être précis. Il est mort les gars. Ouais, lance-grenade en vrai. Aïe. Ouais, en même temps, c'est soit ça, soit 3 balles, donc on prend le. Vas-y, recharge. Ok, dernière balle. C'est pour qui? Qui la veut? Toi? Ok. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Oh bah il m'en renvoie une. Ah c'est dommage que je peux pas renvoyer les grenades. Okay. On verra si dans les suites ça sera quelque chose qu'on pourra faire. Ça serait assez cool. Oh 50 tués. Ah mon dieu. C'est pas vrai. Bah, mais arrêtez de vous... C'est quoi ce chassé croisé là? Ouais d'accord, ouais. Ça c'est une bonne précision ça. Attention là, pas de blague. Hein. C'est pas loin de crever. Hein. Dispersez-vous. Ah, c'est pas bon là ce qui se passe. Tiens, hop. Wow. Il y en a un qui m'a entouré. Oh. Eh, franchement, il est passé derrière moi lui quand même. Hein. Bon, là, il est un peu teubé, tu vois, mais. En vrai, je trouve qu'ils étaient vachement en avance sur leur temps en termes d'IA. On a des ennemis qui sont quand même très agressifs, qui n'hésitent pas. Oh non, c'est pas vrai. Attends, c'est reclé. Oh là 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 là, c'est l'enfer. Ok, ok, faut qu'on change de côté. Eddie? J'ai entendu la voix d'Eddie. Mais non, c'est bizarre. Ça devait être la même, le même doubleur, mais c'était pas forcément Eddie, parce que je crois qu'Eddie, il a mal fini dans les... dans les grottes. Oh là là, c'est pas possible. Je me donne à fond pour pas mourir, les gars. Je fais ça pour vous, vraiment. Il est où ce lit, là? Je me sens très seul. Dans ce bourbier, là. Bah non, j'ai plus de munitions. Comment ça, en avant? Non, là, ça va pas du tout, par contre. Ouais. J'ai plus de mun, effectivement, les types sont devant moi, c'est la merde. Hop là, je récupère ça. Je récupère ça. J'ai des munitions, les gars. Et je retourne là. Mon petit coin de peinard, tranquille. Mais mourrez tous en fait là.
messieurs. Sortez votre tête. Faut que je vous tue. Ok, on est bon. Il n'y a plus qu'à s'occuper de lui là. Mais meurs. Espèce d'escroc. Par ici, Sully. Il doit y avoir un passage secret sous l'hôtel. Ah bah ça les gars, c'est du combat hein. Franchement, on est gavé hein. Non, je veux que tu gardes ton MT-M4. Bon, c'est pas grave. Fais comme tu veux en fait. Tu sais quoi, fais comme tu veux, débrouille-toi. Je lâche la manette. Grenade. Munition. Non. Fusil à pompe, c'est non. Et puis Ah, c'est un Magnum que j'ai là. Non, même pas. Si. Je sais pas. Sully. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu sais ça? C'est écrit dans le carnet? Comment ça, waouh? J'en ai marre des grottes, moi, avec des monstres. De l'or et des eaux, chapitre 21. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Drake ne voulait pas emporter le trésor, Sully. Au contraire, il essayait de le retenir ici. Quoi? Il est maudit, c'est pas possible. Oh, Nate, nom de Dieu! Écoute, je sais que ça a l'air dingue, mais tu dois me croire. On est dans une crypte, les gars. Wow. C'est super sympa, dis donc. Chapelet de crâne en or. Un trésor. Masque Inca en argent, en saphir. En même temps, en vrai, tu trouves un truc comme ça. Est-ce que vraiment tu le prends? T'es mal regard, tu sais que c'est maudit. Chasseur de trésors enthousiaste. Ouais, on est super enthousiaste d'être maudit. Ouais. Oh. Elle est là. Vous devriez pourtant savoir que je suis paré à toute éventualité. Lâchez vos armes. Là-bas. Pas de bêtises, je vous en prie. Ou bien je la tue. Bien. Maintenant, si vous le voulez bien, nous serons à vous dans un instant. C'est magnifique. De toute beauté. Je n'avais rien vu de tel auparavant. C'est qu'une enveloppe. Le véritable trésor de l'Eldorado se trouve à l'intérieur. Ouvrez-le. Oh là 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 là. Observe bien. Il savait. Il a fait exprès. Adios, jefe. Trop terre à terre. Bajen la red! Bajen la red! Navarro! Cette chose a exterminé toute une colonie! Tu sais pas ce que tu fais! Faux! Je suis la seule personne sur cette île à savoir exactement ce qu'elle fait! Cargue la estatua! Cuidado!
Vous êtes tellement pathétique à vous chamailler pour votre cher petit trésor. Connaissez-vous au moins la véritable valeur de ce trésor ? Levantez-le ! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les Espagnols, Sully. Fidèles au poste. Sullivan, cette chose ne doit pas quitter l'île. Il faut l'arrêter. Vas-y, je te couvre. Waouh. Ok les gars, c'est parti. Wow. Ok. Recharge, recharge. Wow, elle est magnifique cette pièce. Magnifique, magnifique. C'est par où? Non! Dépêche-toi, Nate! Wow! Oh! Putain, les munitions, les munitions! Fais pas de con! Non! No way! C'est pas possible! Ok, j'ai compris, faut qu'on se grouille les fesses, c'est bon. On y va, les gars! Au! J'ai pas le temps pour vous. Sully, couvre-moi. Bon, je rattrape le trésor. Regardez, il est en train de monter. Wouhou! Oh oh. Je suis en train de crever, les gars. Oh. Un malade. Bien, ouais, Jelena, c'est ça même. Oula! On dirait bien qu'on va retourner sur le bateau, les amis, là où tout a commencé. Enfin, c'est pas le même bateau, mais c'est un bateau. Oula, Navarro. Matello! Tue-le! Épreuve de force, chapitre 22. Waouh. Wow. Oh, j'ai plus de grenades, ça c'est dommage. Waouh. C'est pas très cool avec un fusil à pompe quand même. Hein. Aïe, oui. C'est Navarro qui est là-bas. Oh. Oh, le coup de pompe, il a fait mal. Ah, dommage que c'est pas deux. Aïe. Ah ouais, lui one shot. Ah oui, bah oui, il a le laser. Bah oui. Bien sûr que tu one shot. Oh la vache, eh c'est chaud. Là c'est chaud là. Oh. Faut absolument que je tire quand le laser il est baissé, parce que sinon je suis foutu. Je comprends mieux le titre du chapitre. Ouah, baisse-toi. Faut qu'il recharge.
À couvert. On va se laisser, pour la fin là. Le type là. Il s'enfuit. Ah, je peux pas le tuer en fait. Il s'enfuit le gars. Ok, on change d'arme. On va récupérer les M4. M4. Si. Let's go baby. Là, même principe. Waouh, c'est chaud. Mais Nate, c'est pas seulement un explorateur, c'est un soldat aguerri. Attention. Waouh, ok, ils ont pété ma caisse. On change de caisse. Tout de suite. Attention. Mais sérieusement? Je crois que ma caisse, ça va pas tenir longtemps. Ah, j'ai plus de balles, super. Je me mets là. Ouh. Attends, c'est pas possible. Ah, j'ai plus de munitions, bah oui. Merci, j'ai remarqué. 50 victimes au M4. Ça fait plaisir, mais c'est la merde. Ouh. Ok. Oh oh. Arrêtez de péter mes caisses là, c'est bon. Recharge, recharge. Lui là. Oh non. Oh oh. Dès qu'il a plus de potes, il va se barrer le gars. Oh, c'est bon, il se barre. Effectivement. Oh, j'ai plus de munitions pour lui. Comme dans les films. C'était là, tu vas le tuer. Eh bah non, t'as plus de munitions, ça va se finir à la main. Mort de rire. Oh, oh non, la QTE, mais ça se fait pas de faire des trucs comme ça. Moi, je suis pas prêt. Ok. Oh là là. Allez, à couvert, vite, sois pas trop gourmand. On y va méthodiquement. Wow. Couvert, à couvert. Hey. Et toi, t'as trop de chance. À chaque fois, soit j'ai plus de balles, soit je suis en train de recharger. C'est un truc de ouf. Allez, vas-y, on fait le plein. De toute façon, là, tu vas pas pouvoir fuir longtemps comme ça, mon gars. Là, c'est fini après pour toi. On arrive au bout du bateau. Vous pouvez plus vous planquer. Exactement mon petit Nate, on est sur la même longueur d'onde. Elena. Waouh, oh non. Eh merde, quoi encore? J'ai plus de... Les gars, j'ai plus d'armes. Oh. Oh non. Comment on fait? Ah ouais d'accord, ah ouais la pète je saute, il me flingue le gars, il va trop vite, comment on fait? Faut attendre qu'il recharge. Ouh. Ah non même pas. Bah ouais si, faut peut-être attendre qu'il finisse son chargeur. Ok. Là maintenant. Ok, j'ai capté. Vas-y, tire. Vous êtes prêts les gars? Oh, j'ai dit vous êtes prêts et j'ai sauté. Comme un teubé. Eh c'est bon Navarro là. Tu vas arrêter de te la jouer Navarro justement. Bim. Coup de poing, carré. Oh. Ça se finit vraiment à la main comme dans les films quoi, tu sais. Mort de rire. Cours. Oh. Oh ouais, c'est ouf ça. Oh, c'est génial. Oh là 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 là. Je t'ai eu mon gars. Yes baby. Elena. Elena.
Ah mais oui, ils se relèvent toujours. Les méchants se relèvent toujours dans les films. Adios, enfoiré. Magnifique. Magnifique, Nate. Et voilà, mon gars, tu coules avec ton trésor que tu voulais. Tu vas rester dans les fonds marins et le trésor, il sera jamais perdu. Sauver le monde, vaincre le mal, normal quoi. Bien sûr. Dommage de devoir partir les mains vides. Oh, au fait, j'ai réussi à sauver une petite bricole. Tiens, je me suis dit que ça te manquerait sûrement. Merci. De rien. Vu d'ici, vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Sully! Eh ben dis-moi, t'as une de ces têtes? Dis donc, tu t'es pas regardé! J'ai trouvé un bateau! Mais on a déjà un bateau! Ouais, un gros bateau! Moi je préfère celui-là! Sully, t'es vraiment incroyable! Oh. Je l'ai piqué à deux pirates qui étaient un peu morts, alors ils ont pas pu râler! Ah, c'est cool. Donc ça va, c'est pas toute l'or de l'île qui est maudite, c'est vraiment juste la statue d'Eldorado, donc ça c'est bon. Donc on part pas les mains vides, quoi. Quand même. Je suis désolé pour ton article. Oh, t'inquiète pas, il y aura d'autres cases. Tu me dois toujours quelque chose. T'inquiète pas pour ça. Waouh, les gars, mais c'était fou, c'était incroyable, c'était fou, j'ai tellement kiffé. Le jeu est très court, on est d'accord, 4-5 heures, mais c'est voilà, on s'ennuie pas une seule seconde, et ils sont trop forts, Naughty Dog, ils sont trop forts, franchement, c'est incroyable. C'est tellement bien écrit, l'écriture est parfaite, les personnages sont attachants, on a des belles musiques, on a des beaux environnements, on a un gameplay dynamique et tout. Et comme vous me l'avez dit, c'est que le premier, et c'est même potentiellement même pas le meilleur pour beaucoup d'entre vous, donc franchement, j'ai trop hâte de voir la suite. On a passé de super moments, merci à vous les amis d'avoir suivi cette série sur Uncharted 1, la saga de l'été ne fait que commencer bien sûr. Vous l'avez compris, on va se faire tous les Uncharted du début à la fin avec le standalone. Donc franchement, on va passer un super été ensemble. Et bah voilà, hein, un grand merci si vous avez déjà suivi ce premier épisode. Ça y est, c'est terminé. Et bien sûr, on va passer à la suite directement dès demain. Uncharted 2 Among Thieves arrive sur la chaîne. Ça va être très intéressant parce qu'on va déjà voir l'évolution rien qu'en termes graphique, mais également en termes de gameplay. Il y aura plusieurs années qui se seront découlées entre le développement des deux jeux, donc les jeux auront évolué, et du coup ça va être très intéressant, comme on l'avait fait pour God of War il y a un an, de voir à chaque fois les améliorations qui ont été faites à chaque endroit. Voilà, bah écoutez les amis, on va voir s'il y a quand même une scène post-générique, c'est possible, donc on va essayer de passer tout ça, mais à mon avis, eh ben, il n'y en a pas. Voilà. Merci d'avoir suivi cette courte aventure de Drake's Fortune. J'espère vous voir dans la suite de cette saga de l'été, les amis. Uncharted 2 Among Thieves, dès demain à 18h. Le premier épisode et un épisode par jour à 18h. Parfois, vous avez vu, il y a un petit peu de décalage selon les sorties, les vidéos react que je fais aussi. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça prend son cours et c'est que du plaisir. Merci d'avoir suivi la chaîne, les amis. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir également la chaîne en devenant membre du club 117 en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo ou également dans la description. Vous avez accès à des épisodes bonus de Let's Play, également à d'autres avantages en tant que membre, et vous me soutenez en tant que créateur. Voilà, je vous ai tout dit, les amis. On se retrouve demain pour Uncharted 2 Among Thieves. Passez une très bonne soirée. Amusez-vous bien, pardon.
Prenez soin de vous et ciao.